Salut à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Avant qu'elle ne commence, je tiens à vous remercier d'abord parce qu'on est bientôt 4000 sur la chaîne, donc ça me fait extrêmement plaisir. Ensuite, bon, on est sur du PVM. Comme pour la vidéo 3v3, c'est un pari, dans le sens où c'est pas du 1v1, donc je sors un peu de ma zone de confort. J'en attends pas mal sur votre soutien, en tout cas, pour si ça vous plaît. Et peut-être que ça sera reproduit à l'avenir, si ça vous plaît, en tout cas. Ça sera l'objectif. Prenez également compte que ça a été fait dans le cadre d'un live 12h sur Twitch, donc le lien de ma chaîne sera dans la description. Si vous voulez me voir en dehors de YouTube, ça peut être intéressant, hein, parce que je fais beaucoup de Xel 1v1, et pour ceux qui sont vraiment passionnés de Xel, je pense que la chaîne Twitch pourrait vous donner du contenu supplémentaire à regarder en plus de YouTube. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, et que vous prendrez plaisir à la regarder, et sans plus tarder, je vous lance la vidéo. Du coup au début j'avais ce placement là, donc le compte en bas à droite avec le Noctu, et en haut à gauche j'avais Cyclo plus Grand Duc. Donc ici mon T1, déjà mon setup il est gotesque, comme on dirait sur Twitter. Petite fuite, flou, hop, avec instable, bout tempo. C'est fait dynamiquement, hein. J'étais à vraiment beaucoup de tentats, j'avais 5 heures sur le duo, donc vous inquiétez pas, j'étais calé sur mes premiers tours. Donc là pour l'instant c'était ma boucle basique. Du coup c'était la petite gélure, on crée la zone pour que le passif du... Enfin le sort du Grand Duc proc, on prend des synchro, on repart avec Momif, on lui met une petite fuite pour faciliter son kill le prochain tour. Là vous allez voir que le cyclo tape, ensuite il fait une ligne droite, il veut bouger le cadran, il décalera pas à gauche, il ira tout droit parce que de toute façon le chemin il est bloqué. Là le Grand Duc il avait 4 possibilités de placement, il choisit celui-là, c'était une chance sur 4. A chaque fois il choisissait soit d'aller à droite, soit à gauche, soit en haut, soit il descendait. Il y a plusieurs possibilités. Ici du coup voilà je tue, je vais aller me poser là. C'était quand même assez technique, hein, vous verrez sur le déroulement, parce qu'en fait gérer entre les piles, les déplacements, les symétriques, c'était un bordel, c'était un gros bordel. Du coup là je prends l'éclipse, je vais m'isoler là-bas, j'étais derrière, j'étais en 180, du coup hop, on refait le setup du T1, comme ça, on met les deux fuites. Si j'en mettais qu'une, je serais resté là où j'étais, donc c'était pas ouf, fallait vraiment faire double fuite pour arriver de l'autre côté. Ici ce tour-là, je vais arriver en 180, on voit que le Boubou Tempo il fait perdre des cases au compte, donc c'est vraiment intéressant. On prend la TP de l'autre côté, on met le complice à l'opposé, on va prendre la frappe à l'opposé, vu qu'on est en 180, on rayon à l'opposé, souvenir à l'opposé, rayon à l'opposé, momif fuite, vu que là j'ai la position précédente sur le complice, on booste fuite prochain. C'était le meilleur setup, hein. il y avait plusieurs possibilités, ça dépendait des dégâts des mobs. Et là pour le coup, ça passait tout le temps comme ça. Donc là je pose le complice, on va aller prendre la frappe, on flamiche le compte à l'opposé pour le Tej. On va TP de l'autre côté, on va gélure complice, clipside souvenir. Comme ça en gros ça permet de l'out et en même temps de taper, c'était un tour vraiment quand même fortement mécanique. Et sur du compte, c'est quand même fou de faire ça je trouve, ça me surprend en fait. C'était vraiment l'objectif du truc, c'était de reposer un truc beau à voir en compte à rebours quoi, parce qu'il y a les pits tout simplement. Donc là rayon souvenir, hop. On va aller recomplir suite, on se prépare tout le temps, hein. La fuite est vraiment très pratique pour le coup. Et j'aime bien c'est que ça s'enchaîne, c'est fluide, c'était vraiment cool à faire, franchement j'ai bien kiffé. J'ai vraiment bien kiffé, c'est à refaire, de faire du PVM en cette deux variantes un peu exotiques on va dire. Donc là c'est le kill Noctu. Ici c'était gélure pour gratter un peu de dommages et puis je prenais il me semble un rouage, il me semble pour me booster, hein, voilà l'opposé. Et derrière je vais partir avec une synchro TP. Afin de vraiment éviter les dégâts du compte, hein. Chaque dégât qui n'est pas pris, c'est des tours de tempo en moins. Du coup, si on pouvait vraiment gratter un score intéressant en termes de temps, c'était bah, c'était cool à faire, je pense. Et puis, vous verrez qu'on a largement le temps du haut, de toute façon, on a fait ça bien, donc c'est cool. Là, ici, on revient avec les fuites, naturellement. Je prends la clipside pour booster toujours, vu que là, on était 9, je peux pas encore déloc le compte. Et là, directement, je perds pas de temps, je vais laisser top ma routine. Donc, il va me falloir un complice et une momif à un endroit précis, donc c'est ici. Je suis allé mettre pile là où je vais prendre le téléphone, comme ça je saurai exactement où est-ce qu'il faut que je me mette pour que le compte arrive juste. Vous allez voir, de toute façon, il va aller dans la ligne pour taper, vu qu'il tape qu'en ligne le compte, hein, on rappelle. Et à 4 PO aussi. Du coup là, on va reposer le complice à 3 PO. Là, on en fait à droite, contre R1P2, donc c'est toujours à droite. Tu flamiches, là je vais faire mon tour, c'est sûrement... Je peux chaleuil souvenir, renvoi, et on va rajouter une fuite qui va permettre que quand en fait il va faire sa roublardise parce qu'il aura rien à toucher, il sera revenu direct à sa place. Du coup ça va nous permettre de justement à notre tour de le remettre à sa place. Ce qui fait qu'en fait la boucle se fait tout le temps en fait. Tu peux pas. Le compte pourra pas counter la boucle. Parce que son IA est fait de sorte que en fait s'il peut rien toucher le tour où il va faire sa roublardise, et ben il reste sur place et il fait sa roublardise. Ce qui permet vraiment de setup la chose. Donc ici on va se booster fuite. Je me disais bon je mets un petit bout de tempo. La flamiche comme ça met un boost vraiment compliqué à mettre dès le début. Je peux prendre la gélure, fuite sur moi. Fuite sur la cabot c'est pas nécessaire, du coup je le fais pas, ça aurait servi à rien je pense. Du coup là comme d'habitude il fait son tour, là je vais les déloc directement, c'est tout placé pour, donc on le fait. Petite flèche, il me semble que là je voulais justement aller reprendre la gélure en fin de tour. Du coup je vais faire un cac, une fuite, renvoi, voilà. Et je vais aller prendre la gélure sur la cabote pour booster synchro, c'est important. Donc là renvoi, hop. Et il me semble que justement j'avais boosté avec la fuite, du coup ça sert à rien. C'est possible, ouais c'est ça voilà.
Donc là, ça ne servait pas à grand chose. J'ai fait une fixette sur ça, hein, forcément. Au bout de je sais pas combien de tours, c'est un peu. Ça peut arriver de faire des fixettes un peu bizarres au bout d'un moment, quoi. Donc là, ici, je boostais synchro, forcément, parce qu'on rappelle que le challenge du truc, c'était justement de le tuer avec une synchro. Du coup, je voulais tuer avec une synchro. Ne pas faire. Je m'autorisais, je crois, sur le. Vu que ça mettait beaucoup de temps, je crois que je me suis autorisé genre maximum un ou deux fails sur le. Sur les confusions. Mais je crois que j'ai pas eu de fail confusion. J'ai peut-être eu des fails de tour, à la limite, genre un ou deux, tu vois, qui étaient pas spécialement insane. Là, je voulais décaler, mais en fait, c'était pas rentable. Là, mon objectif dès maintenant, ça va être justement de setup la boucle. Enfin, elle est setup en soi, mais de l'exploiter vraiment tout du long, tous les tours pairs. Et ensuite, à partir de là, oui, voilà, ça c'était un fail, c'est qu'en fait, je me suis fuite, mais j'ai pas de position précédente, my bad. Mais en gros, ça va être vraiment d'exploiter la boucle. Tout en prenant un boost synchro par tour si possible. Ici du coup je le fais directement en début de tour, je prends la TP, je mets la gélure, comme ça je gagne des cases. Là je fais une petite flamiche, hop ça déloque. Je fais mon classique fuite, faire un renvoi, et puis tu vois avec la fuite c'est bon ça suffit, tu mets ta fuite davantage. Et puis là avec la rack tu vois les positions précédentes, du coup ça te booste gratuitement donc c'est pas mal. Là fuite qui annule côté compte et qui me booste côté Xel. Là on va chercher vraiment à aller chercher les boosts. Du coup là on repose vraiment tout le temps à la même place, hein, ça c'est obligé. Et là, je sais plus, je vais prendre quoi comme souvenir, voilà, souvenir qui était à mettre pour le coup là sur ce tour-là. On met les fuites tout le temps parce que c'est du boost PA gratuit, hein, obligé. Mais vous allez voir, c'est vraiment le but, ça va être de multiplier les boosts synchro et de vraiment tout le temps faire ça, quoi, parce que c'est ça carry en fait, ça permet d'abréger le combat plus vite. Donc là, complice à gauche, vu qu'on est en horaire, horaire 1 pi 2 c'est à gauche, et contre horaire 3 pi 4 ce sera à gauche aussi. Du coup ici la petite flamiche, on va continuer toujours le même combo, donc chaleuil, fuite, souvenir, renvoi. On va voir s'il y a un petit LF à prendre ailleurs, mais je pense qu'à ce tour là c'était peut-être pas trop possible. Voilà, on va mettre une fuite, arrêt de position précédente toujours. Là il me semble qu'il y a encore la pendule et la poussière à prendre de mémoire, il y a la disto aussi. Là petit lag vite fait, c'était pas dramatique, donc là toujours complice même place, hein. De toute façon c'est une boucle, hein, donc à proprement parler, ce sera à peu près tout le temps la même chose. Mais c'est intéressant de commenter chaque boost synchro qui est pris tous les tours. Je trouve que c'est assez spécial, je trouve, en compte à rebours de faire ça. Parce que en PVM, t'as pas spécialement envie de jouer autour de la synchro. Et bah là, pour le coup, ça s'est fait assez. Je trouve ça vraiment appréciable quand même de maintenir une boucle, de gérer les téléfrags, de booster la synchro. Enfin, c'est vraiment beaucoup de choses pour du PVM, je trouve quand même. Enfin, quand tu te mets la contrainte de devoir faire un kill synchro, de pas devoir fail OP. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai 5h40 sur le truc. Et que en fait, comment, quand je faisais un fail de confusion, j'abandonnais. Donc là, on prend le boost instable, hop, obligé. Permet de vraiment bien setup. J'ai pas besoin de plus de PA de toute façon, vu que les tours PA on fait pas grand chose, il n'y a pas besoin de setup plus que ça. Et donc, bah, tout dans le compte, de toute façon, il n'y a rien à dire sur le compte. Hein. Le compte, ça sera toujours la même chose, ça c'est sûr. Mais côté boost, ça avance, ça avance. Là, je crois qu'il faut prendre la poussière. On va la prendre, mais avant tout, il faudra quand même poser le complice. Hein, c'est important, c'est toujours le principe de la boucle là pour le coup. On n'a pas vraiment le choix de le faire. Donc là, je pense que je vais prendre la TP rack. Et puis derrière, je vais aller prendre la poussière. Voilà, comme ça. TP gauche, poussière gauche. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Ça, c'est mon seul fail pi du combat. C'est ça. C'était juste ça pour le coup. C'était la poussière. Bon, sur un moment, on était T20, ça commençait à avancer dans le combat. C'est une partie que vraiment je. J'étais pas encore allé si loin dans les tentants, on va dire. Parce qu'au début j'avais commencé à jouer en Rambo, c'était bizarre un peu, et puis renvoi était bien plus fort. Du coup j'ai dit bon bah go renvoi. Et puis en fait renvoi est large mieux. Parce que ça permet justement de faire ça en fait en Rambo, ça serait trop galérien en fait, ça mettrait beaucoup trop de temps pour pas grand chose. Je suis débile d'ailleurs parce qu'en fait j'ai deux vidéos sur la chaîne qui sont en compte à rebours sauvetage et les deux sont faites avec renvoi en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas tilté direct, enfin j'ai pas capté directement. Mais le fait est que j'ai pas capté donc tant pis. Mais ouais, je pense à chaque match, je ferai un petit solotage compte. J'aime bien, c'est un peu un petit rituel de faire ça à chaque match. Bon, toujours le complice, le fameux. Là, on va prendre du boost, là, il faut mettre la disto. Du coup, je vais me setup un stab avec la disto en même temps, donc ça va bien m'aider ça. Un stab, disto, flou, je peux si je veux. Parce que là, en vrai, on va arriver sur le dernier tour. Hein. Là, la synchro, il est à portée de kill de la synchro, et puis autant le faire, donc voilà. Là, la rack, elle va avancer avec moi à son tour. Au début de mon tour, je proquerai l'instab et je reviendrai de 2 PM avec fuite. Et là, du coup, c'est le tour qui va pas tarder à être le kill. Hein. On va y arriver. Du coup, là, c'est. Je crois que je fais encore un tour juste. Un tour et après, j'irai tuer prochain. Voilà, donc Flamish, je fais un tour 24 du coup. Petite fuite, cac, renvoi, voilà. Hein. Rien de bien différent, on va dire. Pour le coup, c'est assez. Hors boost synchro, c'est assez monotone. Mais. Les phases de début, quand tu gères les mobs et tout, c'est quand même assez fun à faire, je trouve. Et puis même, tu sais, booster synchro, c'est toujours un petit instant kikou stylé à faire, tu sais.
Mais ouais, non, c'était sympa à faire en tout cas. Moi j'ai bien kiffé, c'est une bonne expérience. Et donc sans plus tarder, je vais vous laisser avec la fin qui va arriver dans pas très longtemps. Et on se dit à la prochaine. Ciao!